Hare Krishna, moi Sanatan Dharma, depuis Krishna Balaram Mandir, et je peux accueillir les autres dans la cuisine Mansonveille, comme nous le droit d'appeler bon accueil, et un bon accueil ici. Et aujourd'hui, dans la cuisine Mansonveille, nous avons des recettes, nous pour présenter les autres. Après, nous prenons un jus, là, les surprises. Et nos premières recettes qui nous pourraient présenter d'autres, nous pour présenter d'autres, un gratin fouillé à pain. Qui fait à mon envie présenter un gratin fouillé à pain, je peux encourager toute la population nous consommer un peu fouillé à pain, parce que fouillé à pain, il y a un fruit universel. Je pense que nous pouvons du tout fertilisant là-dedans, nous pouvons du sel, nous pouvons rien là-dedans, nous pouvons aucun produit chimique dans rien là-dedans. Puis là, nous pouvons les rapporter dans un fruit spécial. Et là-dedans, avec ça, fouillé à pain, là, nous pouvons faire gratin. Mais il y a plusieurs affaires que nous sommes capables de faire avec ça. Mais pour aujourd'hui, je peux montrer ça gratin. Là. Je vais dire un petit plat au pain. Ce fruit appelé fruit à pain, nous mangeons avec du pain. Fruit à pain au pain. Voilà, là pour commencer, vous trouvez, je vais finir de bouillir mon fruit à pain, mon casse-casse. Je vais crase-crase avec une fourchette. Si maman bouille, ça n'est que mettre dans de l'eau, mettre bouillir. Et quand on bouille, bien sûr, on ne peut pas mettre du sel dans le lit. Il n'y a qu'une bouille comme ça même. Right. Nous casse-casse comme ça. On lien, pas un. Et un bon petit plat au pain, ça. Vous êtes tout pour content. Bien facile, bien simple. Nous faisons un système bien simple. Il y a différentes qualités capables de faire, mais là, on peut montrer vous êtes bien simple. Pour vous êtes pas compliqué. Quoi dire, la vie, non, rien. Vite, non, allez. Mais vous pouvez trouver comme une crasse, je ne pas une casse-casse, ou dire fin net crasse, ou dire faire une masse, ou non. Un petit guin, il y a besoin d'un petit grosseur. Quand nous faisons manger, ou dire nous gagnons bien. Right. Là, il est bon. Là, nous allons du fait. Nous avons un petit marmite, l'eau du fait. Right. Bien sûr, nous avons un ingrédient qui nous est là-dedans. Nous avons un grand ingrédient, simple même. Nous avons gingembre, du thym, PSI, du sel, du beurre et du lait. Et dans, bien sûr, dans du lait, là, nous mettons un petit peu de la farine ou quand mettons un petit peu de conflo aussi, il n'y a pas de problème. Right? Après, nous délayons. Et puis, nous avons biscuit écrasé, plus facile. Hein? Si vous avez un cas, vous appelez ça un crumbs. Là, mais là, nous faisons un biscuit écrasé. Nous écrasons le biscuit. Je vais déjà montrer ça. Comment. Un gratin avec sous tout ça là nous les enfermes mais aujourd'hui nous peut faire avec fruit à pain nous envie va dire faire une petite chose avec fruit à pain right. Là nous prend du beurre nous met dans nos marmites les du beurre la faune right. Nous toujours nous pas les du beurre brûler nous finis mettre sur un gingembre. Du thym, PSI, Esther nous met ça, fouille à pain là-dedans. Bien sûr, il colle coller ça, vous avez besoin de prendre un petit précaution en lit. Là, nous mélangeons bien. Et nous allons mettre du sel aussi. Du sel aussi, nous allons mettre une quantité qui existe. Et si nous avons évité un petit peu trop salé aussi, de manger trop salé pour nous la santé n'est pas trop bon. Nous allons tout à faire, nous allons le contrôle. La santé bien, la santé va nous ça va pas vaster ça. Un petit gain de la santé comme ça casse, pas qu'à vaster ça. Quand perdu, il est fini, pas regagner ça. Prends compte, pas laisser perdu. Right. Nous mettons là bien, là nous délayons, nous dilayons. Mettons la farine là, c'est pas nous conflons là-dedans, mais faute, nous vidons là-dedans. Mettons un petit gain, nous brillons. Mon conseil du monde, tout repas que je te mange, mange un peu salade. Voilà, une bien sec. Nous devons toujours continuer de tourner. Pas faire, nous devons continuer de tourner, pas arrêter de tourner du tout. Continuer de tourner.
Voilà. La ligne finit pareil. Nous tenons nous fait, nous la ligne nous fou. En 10 minutes avant nous fou, nous allons nous fou au 180 degrés. Là, nous allons nous fou. Nous attendons nous fou chauffer en 10 minutes après nous venir. Nous gratin finit pareil. Right? Et là, nous fou aussi nous finit allumer. Le 180 degrés, en 10 minutes avant. Right? Et si chauffer bien. Et puis, bien sûr, nous avons un fromage aussi là-dedans. Right? Là, nous prenons tout ce gratin là, nous mettons dans un plateau, dans un moule. Nous grattons bien, nous nettoyons bien. Nous pas l'espérer. Pas quitte dans chose. Ça, tellement. L'eau, ça peut être là. Voilà, nous talons bien, right. Nous mettons sur faire du niveau partout, right. Bien talons. Voilà, partout le niveau. Right. À ce temps, nous mettons fromage là. Avant qu'ils nous mettent fromage, nous allons mettre un petit peu de persil. Persil, il fait gagner un parfum. Pour bien, il faut tirer pour manger bien. Right, nous mettons nos fromages bien là. Voilà, nous habillons bien là. Mettre tout ça dans les affaires bien. Right. Et puis nous prenons nos arrosons nous là pour biscuits là. Nous crasons nos biscuits bien. Bon biscuits, crackers là. Mettez-le, nous arrosons bien. Là, il est fini. À ce temps, nous envoyons-le au four. Aïe. Nous envoyons-le au four juste pour gratiner. En 5 à 7 minutes, il pour ok. Et voilà, nous gagnons 5 à 7 minutes. Nous venons guetter quand il est arrivé. Et bien sûr, il finit pareil. Maman finit pareil. Maman peut trouver le pareil. Regarde comment il vient extra là-bas. Là. Voilà. Ouais. Voilà. Là, nous tenons nous fou. Voilà, l'invine bien joli. Là, un petit salade, nous monte à table. Joli, joli travail à table là. Mais là, mal présente un petit bout de nos plats. Je vais un petit morceau. Correct. Voilà. Là, nous. Ça nous gratte. Hein? Et bien sûr, nous faisons une petite décoration là, pour les paraître bien joli. Nous comptons faire joli. Décorer pour les gagner bien attirant. Là, nous coupons un petit gain rondé le pomme d'amour. Right? Nous mettons tout là. Nous relèvons un petit peu plus. Elle n'a pas besoin d'aller dans l'hôtel, non. Il a qu'à se venir, fini, venir, dans l'hôtel, on va fini, car recevoir compte. Voilà, ça nous gratin aux fruits à pain. Pour recette gratin de fruits à pain, vous avez besoin d'un ingrédient suivant. Demi-fruits à pain moyen, demi-cuillerée à bouche de gingembre haché, demi-cuillerée à bouche de thym, 2 cuillerées à bouche de persil haché, 1 cuillerée à bouche de beurre, 2 tasses de lait, 2 cuillerées à bouche de farine, demi-tasse de fromage, et salé selon votre goût. Crase ou fruits à pain déjà bouillis grossièrement, ou chauffe une marmite et ou ajoute un peu de beurre dans la marmite. Ensuite, le gingembre haché, le thym, le persil. Laisse roussir bien pendant quelques minutes. Ensuite, ou incorpore le fruit à pain écrasé et mélange le tout bien. Salé selon votre goût. Délaye un peu de farine dans du lait et verse mélange-la
petit à petit l'eau ou fruits à pain. Ou prends une moule, ou verse sa mélange fruits à pain là dans moule là, ou étale-les bien, et pas dessus ou arrose un peu de persil haché, ensuite fromage, et biscuits écrasés. Ou préchauffe au four 10 minutes à l'avance, à 180 degrés. Ensuite, ou laisse gratiner pendant 5 à 7 minutes, toujours à 180 degrés.